Et en la personne la plus humble que je suis, en disant tout cela avec la plus grande des modesties, j'aurais même rajouté exceptionnel, Ouda. N'ayons pas peur des mots, t'aurais été dans le vrai. Et oui, il y a donc 4 ans, le 13 janvier 2017 exactement, je sortais une vidéo qui s'appelait « Les pires tortures ». Happy Room, hashtag 2. Est-ce que vous aussi, vous ne voyez plus la barre des j'aime pas sur YouTube? Non, parce que je vous explique, ils ont fait une mise à jour, elle est censée ne plus être visible pour les viewers. Mais pour moi, elle est censée quand même être visible, vu que c'est ma chaîne. Et bah les mecs de chez YouTube, ils ont dit non mon gars, toi tu vas être blacklisté, tu verras rien du tout. Écoutez, je ne vois plus rien du tout. J'ai pas trop compris d'ailleurs, donc je voulais savoir si c'était pareil pour vous. Bon, et bien Wouta, il est comme ça, 4 ans après, il prend sa pelle, il va déterrer les vidéos du grenier. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, bienvenue sur Happy Room. C'est grâce à ton commentaire en fait que je le redémarre. Je ne me souvenais même plus qu'on avait fait ce jeu ensemble, puisque souvenez-vous, on avait fait le niveau 1, le laboratoire. Par contre, on n'avait pas fait les deux prochains. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va prendre le cachot. C'est parti, let's go, mon gars. Mais excellent, on peut y mettre un petit chapeau melon. Ouais, il est beau comme ça, mon gars. Ça faisait tellement longtemps, les mecs, qu'on n'avait pas démarré ça. En tout cas, si vous êtes chaud pour qu'on fasse ce niveau, qu'on termine le cachot, vous me faites péter un maximum de likes sur la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas que si vous voulez Happy Room ou bien d'autres jeux, tout se passe sur G2A. Direction la description avec le petit code Jolac. C'est parti, mon gars. Elle était simple, celle-là. Alors, repartir de bon pied. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Il y avait des petits objectifs à terminer en haut. Nettoyer le terrain de jeu. Voilà. Alors, c'est quoi ça? Ok, 5 sauts sur un ressort. Bon, bah, ça va être assez simple. Ça, c'est donné, les mecs. Ça, c'est donné. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, rangé, au revoir. Voilà. Donc, appliquer 500 points de dommage. Regardez, ça, c'est donné. 500 points de dommage, ça devrait... Allez, allez. Eh ben, je les ai eus, mon gars. C'est nickel. Appliquez 1000 points de damage. Ok. Vous pouvez également améliorer les armes. Ah oui, yes. Bah, explosif, mon gars. Fais péter l'amélioration des mines. Allez, hop, je prends. Voilà. Donc, comment ça marche, les fourches? Ok. 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 Avec, bien entendu, des ressorts. Alors, normalement, au niveau des fourches, ça devrait le faire. Ah ouais, quand même. Utilisez 2 fourches jusqu'à leur destruction. Donc, il y en a une déjà. Je peux mettre un ressort ici? Ok, d'accord. On se la refait. Utilisez 2 fourches jusqu'à leur destruction. Allez, par là. Oui, voilà. Voilà. Allez, encore un petit peu. Par ici. Oui! Oui! Voilà, c'est remporté. Bon, les 1000 points de dégâts. Est-ce qu'on va les faire ici? Je ne pense pas. C'était sûr. Bon, écoutez, on va faire ça. Voilà, mon gars. Ça dit quoi? Ça pique ou comment ça se passe? Ok, ok, ok. Je vois. Normalement, ça devrait aller. Puisqu'il va tirer. Je vais revenir là-bas. Et il va se faire allumer, mon gars. Voilà, nickel. Feu à volonté, c'est bon. Appliquer 1000 points de dommage. Ah, réfléchissons, réfléchissons. Vite et bien. 1000 points de dommage. Je pense que ça va le faire quand même. Avec toutes les mines que j'ai posées. Allez. Oui. Oui. Bon, les 1000 points de dommage, c'est fait. Ah, déjà, on peut faire les scies. Ça, c'est cool. Et avec des scies, on fait le monde, mon gars. On coupe du bois aussi. 300 points de dégâts infligés par des scies. Bon, ça va être... hein, c'est donné. Voilà, 300 points de dégâts infligés par les scies. C'est bon, c'est fini. On va tenter les 12 tirs d'arbalète. Oh, je peux mettre les mines là maintenant. Oh, c'est terrible. Je pouvais pas avant. Voilà, regardez, j'aimais bien faire ça avant, moi. Voilà. Ah bah nickel, tiens, j'ai débloqué des trucs en plus. Oh, j'ai les araignées, yes. Attendez, je peux même recoller des mines. Ah, ça, je m'en souviens, c'était bon, ça, pour débloquer les trucs. Ah, je les ai pas tous... Oh, si, je les ai... J'ai encore débloqué des trucs. C'est la folie, les mecs. Alors, on va se faire les araignées. On va voir ce que ça donne comme ça. Ouais, yes. Oh là là, comment que c'est... C'est chaud, mon gars. Bon, nickel. Alors, téléportation, téléporter un mannequin. Bon, c'est donné ça, la téléportation, les mecs. Voilà, ça c'est ultra simple. Allez, c'est fait. Vous pouvez également améliorer les armes. Ah, j'ai complètement zappé les explosifs. Vas-y, craque, mon gars. Ah, mais on a gagné des miniguns et tout. 12 tirs d'arbalète pendant qu'un mannequin se trouve sur une fourche. Bon, ça, ça va le faire. Je pense clairement que ça devrait être pas mal, là, au niveau des tirs d'arbalète. Ouais, bon, bah, allez. Ça a été fait en 2 secondes, au final. 800 points de dégâts à l'aide d'un minigun. Allez, pour les 800 points. Ouais, ça va être bon. Ça va être bon, ça va être bon. Allez. C'est bon. À mon avis, on a les 2000 points de dégâts, là. Je pense. C'était sûr. Et en plus, on a gagné des nouveaux trucs. 750 à l'aide d'une arbalète pendant qu'un mannequin est coincé sur une masse d'armes. Voilà. À mon avis... À mon avis, c'est pas mal. Ouais, voilà. C'est bon, c'est réglé. Il y a de l'idée, les mecs. Il y a de l'idée. Maintenir un mannequin sur une masse d'armes pendant 15 secondes. Allez. Ah, peut-être... Ah, ah. C'est bon, on les a. C'est bon, c'est bon.
Ouais, yes, nickel. Utilisez 4 scies jusqu'à leur destruction. Allez, là, ça va le faire. Voilà, voilà. Oui, oui. Oui, ben voilà mon gars. 20 flèches manquent un mannequin. Ultra simple. À chaque fois je dis ça, mais il y a toujours un truc qui part en couille. Voilà, les 20 flèches devraient manquer un mannequin là. Allez, allez. Oui, voilà, c'est bon, c'est fait. Putain, c'était juste, hein. Installer une arme sur un bloc. Bah clairement, voilà, hop, ça c'est fait. Nickel. Voilà, ça c'est des points donnés, hein, bien entendu. Tirer avec 5 miniguns. Voilà, c'est bon. J'aurais pas été si loin que ça des 4000 en vrai. Hein. 3000 points de dégâts infligés par des gobelins. J'ai des gobelins, moi. Bon, 4000 points de damage. On va essayer de se les faire comme ça. La technique de la mine. On se l'attend comme ça pour les 4000 points. Oh la main. Oh la main, nickel. Voilà, on a même débloqué des trucs et tout. Ça se trouve qu'il y a, j'ai des gobelins maintenant. Et ben voilà, poupée vaudou. Grande poupée vaudou. Qu'est-ce que c'est que ça, mon gars? C'est quoi, ça guillotine? Ah, les gobelins. Mais nickel, attendez. J'ai refait un petit tour de ça pour voir. Non, ok, d'accord. Bah écoutez, on va se la tester comme ça. Hein. Ah ouais, ok, d'accord, quand même. Ah, quand même. C'est violent, les gobelins. Serais-je un papillon recouvrir tout un mannequin de toile d'araignée? Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Est-ce que ça peut le faire clairement comme ça? Je sais pas, on teste. Ouais, yes, c'est bon. Nickel. C'est fait, ça y est, on se calme, on se calme. On va améliorer les guillotines, les haches et les ressorts. Ok, avec les haches améliorées, peut-être les 1000 points, là. Ah non, 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 non. Réessaye, mais sans aucune conviction. Ah, hop, oh oui, ça y est, c'est fait. Les haches, c'est fait, les mecs. Agrandir 6 araignées. Mais comment tu agrandis les araignées? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut dire par agrandir? C'est peut-être ça qui agrandit les araignées, non? Attendez, je me suis pas servi de ça depuis que... On va voir ce que ça fait. Ah, ok, d'accord. Donc déjà, on fait le truc de la téléportation. Voilà. Grande poupée vaudou. Clac. Voilà. Voilà. Et là, il reste coincé. Ok, c'est bon. Là, ça devrait le faire, les mecs. Pour agrandir toutes les araignées. Ouais, c'est bon. Changer la pesanteur à 3 reprises. Je sens que la terre bouge. Balancer 15 fois des gobelins à l'aide de haches. Peut-être comme ça pour la guillotine. Là, j'ai mis des ressorts sur les côtés. À mon avis, ça devrait être pas mal. Voilà. On y est presque, là. Allez, encore un coup. C'est bon. Ouais, nickel. Oh, regardez, je vais peut-être même battre mon record. Attendez, ce serait complètement dingue. Je vais débloquer un truc. Ah bah, je l'ai débloqué, c'est bon. Un mannequin a couvert une distance de 100 mètres alors que la pesanteur avait été modifiée. Ah, permuteur de pesanteur. Ça y est, bah, je viens de le gagner. Voilà, changer la pesanteur, ça c'est bon. Bon, les 100 mètres, visiblement, ça va être fait. Balancer 15 fois des gobelins à l'aide de haches. Ok, parcourir 60 mètres avec un poisson volant. What the fuck? Vous croyez qu'on est bien là? Je pense que oui, clairement. On est plus que bien là, voilà. On en a du poisson là, les mecs. Ça dit quoi? Ah, ok, d'accord. Ah ouais, mon gars. Ah ouais. Ah, ça, c'est... d'accord. Ah, ça, c'est violent, quand même. Ok, c'est bon. Attendez, bougez pas, bougez pas. J'ai une technique. Hop. Bah non, j'ai pas de technique. Attends, si, j'ai une technique. Voilà, nickel. Alors. Oh bah là, les mecs, c'est bon, là. Là, on est bon, là. Parcourir 60 mètres avec un poisson volant, c'est fait. C'est parfait. Araignée, poisson et gobelin. Hop, ok. Araignée... Gobelin, voilà. Alors, ça dit quoi? Bon, bah voilà, c'est bon. Mais pop, 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 pop! Les mecs, on va s'arrêter là. On s'arrête pile poil dans cette configuration. En tout cas, si ça vous a plu, vous me faites péter les likes. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, bien sûr, vous me dites tout ça dans les commentaires si vous voulez voir une suite. Je me ferai un plaisir de vous la partager. En attendant, vous pouvez aller voir les vidéos qui s'affichent sur le côté. Vous allez voir, elles sont exceptionnelles, tout comme celle-ci. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous me regardez. Et on se dit à bientôt. Ciao tout le monde!